T'as le sérum? J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Ok, j'ai mélangé le sérum avec un ancien échantillon sanguin de Connors. Si t'arrives à détruire les atomes qui bloquent les récepteurs... Voilà. Ouah. Attends. T'as pas l'impression que la structure est instable? Si on pouvait injecter des électrons, ça le stabiliserait, mais... C'est pas comme si on avait... Un accélérateur de particules. C'est comme se couper les cheveux avec une tronçonneuse. Bonne pêche à la dynamite. Je sais qu'il a besoin de réparation, mais peut-être qu'il marche quand même. Ok. Pas de trou noir. Le changement de pression a fait dévier une section centrale. C'est pas réparable sans aller à l'intérieur. Wow. Tu fais quoi? Le costume va me protéger, pas vrai? Peter, c'est pas une bonne idée. Détends-toi et sois un gentil petit proton. Hein? Reste positif. Alors, c'est comment l'intérieur d'un accélérateur de particules? C'est de la folie. Il faut que tu testes ça quand tu récupéreras le costume. Oh, ouais, c'est tout en haut de ma liste. Et qu'est-ce qui va se passer une fois que je l'aurai réaligné? S'il n'y a pas d'autres soucis liés à la pression, rien. Tu pourras sortir. Stabilise-le avec les aimants. Comment? Je sais pas. Trouve le bouton magique. Les accélérateurs de particules n'ont pas de bouton magique. À l'autre maintenant. Là, c'est bon? Presque. Il y a un autre groupe d'aimants plus loin. Si tu stabilises pas le rayon, il va détruire le sérum. Bien reçu. Carte de bibliothèque vont pas aimer. Touche pas le rayon. Au suivant. T'as réussi, Pete. On est tiré d'affaire. Sors de là. C'est quoi ça? De l'électricité statique, je dirais. Donc l'accélérateur fonctionne, espèce de petite poule surdouée. Antidote du lézard. On dirait que ce costume est sensible au bruit. Apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Des décharges statiques. Mais l'accélérateur fonctionne toujours. Le sérum n'a rien. Ça brûle! Yeah.
Les décharges électriques ont dû faire griller les capteurs anti-incendie. Je vais tenter de les lancer manuellement. L'antivax est toujours en cours ? Normalement, ouais. Mais si les flammes endommagent l'accélérateur, on va le perdre. Oh, mais arrête de le propager ! Facile ! Merci les lois de la thermodynamique. Tout est éteint en bas. Et maintenant, la même chose en haut. C'est presque bon. Encore un feu éteint. Comment ça va, Harry? Je contourne tous les verrouillages qui existent au monde. Quelle vie très tordue. J'étais en train de me dire, il y a toujours un truc qui se passe mal dans les grandes avancées. Peut-être que pour nous, c'était ça. Ça y est, c'est fait. Ça a marché. Mets-le hors tension. Je vais chercher l'antidote et trouver le docteur Connors. Pas si vite. Il y a 67 étapes d'arrêt. Si on le sort avant, on va perdre l'antidote. Waouh. Ça risque de prendre un moment. T'as faim? Je peux aller chercher une pizza? Éteins-le et récupère l'antidote. Je m'occupe d'eux. Pas de cravate? Je croyais qu'il y avait un foot entre nous. Tu n'es pas sa seule proie. Lee, dites-moi où il est. Oups, désolé. Je préfère les bagarres en petit comité. Javi, les Kraven s'en prenaient aux super vilains. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils ont dû me suivre à distance après que je t'ai volé le sérum. Désolé, Harry. Mais non, pourquoi tu t'excuses? Je suis pas inquiet, t'as le costume. Écrabouille-les. Tire sur lui. Je laisse pas t'avoir. T'en es à quel étape, Harry? Je réoriente le rayon vers le tunnel auxiliaire. Et toi, quoi de neuf? Je vois que mon prêt étudiant vient d'être prolongé. Joie et allégresse. J'arrive. Très bien, on avance. Plus que 30 étapes avant que l'antidote soit prêt. Tant mieux. Parce que je pense pas que ces types vont nous laisser tranquilles. Tu vas t'en sortir. Attention. Il est à deux doigts de s'éteindre. Je finis et je récupère l'antidote. Tu peux pas rester ici. Je peux pas partir. Je suis le seul. Attention! Kraven va bien s'amuser avec toi. Harry! Kraven a raison de rester planqué.
sérieux? Je m'attendais pas à tomber sur un ours. Avant qu'on passe aux choses sérieuses, il faut que je te dise quelque chose. Oh, j'ai fini tout le miel. Allez, faut rigoler, quoi. Ça devrait pas être trop long de réparer tous ces dégâts. On pourrait même garder ça tel quel, comme une médaille. Ces flèches ont dû abîmer la protection d'accélérateur. Le rayon attaque le tunnel. On peut toujours le couper. Et ça donne quoi, l'antidote? Toujours en fabrication, mais il va falloir qu'on croise les doigts. Je sais que je peux le parer. T'es sûr que ta hache est assez grosse?
Tu es blessé ? Je vais bien. On va bien, mais la fondation... Ça m'est égal, c'est pas ça que je te demande. Tu es sûr que ça va ? Ouais. Fouillez le bâtiment ! Et voyez ce qui peut être sauvé. Je veux un rapport exhaustif des dégâts. Ton père a raison, Harry. La fondation, c'est pas le plus important. Quoi ? C'était notre rêve. Mais ça l'est encore. Pour l'instant, ce qui compte, c'est retrouver le docteur Connors et te remettre sur pied. Laisse-moi faire.